Encore une fois, Charles Fiau que l'on retrouve en pole position au départ de la finale. Éric Goron est à ses côtés. C'est parti et très bon départ de Charles Fiau, mais également de François Santoni qui s'empare de la deuxième place. Une position qui perd tout de suite au profit d'Adam Matougui. Éric Goron, lui, est quatrième. Charles Fiau profite de la bagarre pour creuser l'écart. Pierre Hag et Maxime Roy pointent respectivement en 5e et 6e position. Pierre Hag est maintenant 3e à l'attaque sur Adam Matougui. Maxime Roy n'est pas en reste lui non plus, lui aussi roule très fort. Alors il tombe quelques gouttes. Roy qui est revenu sur Pierre Hag, il occupe maintenant la deuxième place. On en restera là. Charles Fiau l'emporte à nouveau avec 8 secondes d'avance sur Maxime Roy et Pierre Hag. Carton plein donc pour Charles Fiau, mais également avec cette deuxième place, on peut dire que Maxime Roy a sauvé son week-end.
C'est trop. 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 C'est trop.